Shalom, shalom, mon frère, ma sœur. C'est vraiment une joie pour moi de te retrouver. C'est une joie pour moi d'être encore en union de prière avec chacun. C'est une joie pour moi d'être dans la présence de notre Seigneur. Alors nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce nouveau jour. Nous lui disons merci. Merci pour la vie. C'est vraiment une grâce d'être en vie. C'est une grâce de voir le jour. Et chaque jour est une occasion de proclamer la louange de Dieu. Alors, c'est ce que nous voulons faire en ce matin. Proclamer la louange de notre Seigneur. Dieu, tu es béni. Béni soit ton saint nom. Béni soit, Seigneur, ton nom puissant et glorieux. Aujourd'hui, dans les lectures, on nous parle de l'humilité. Le psaume nous dit que le Seigneur écoute les humbles. Et dans l'Évangile, le Seigneur Jésus, sous l'action de l'Esprit Saint, sous l'action de la puissance de l'Esprit Saint, exulte de joie de ce que le Père a révélé les mystères du royaume aux tout petits. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, j'aimerais avec moi que tu te joignes à moi pour demander à Jésus de nous donner son cœur doux et humble. Parce qu'il nous dit dans l'Évangile, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Demandons la grâce de l'humilité en ce samedi. Demandons la grâce de l'humilité par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire que nous fêtons aujourd'hui. Demandons au Seigneur la grâce de l'humilité. Parce que lui-même, il est doux et humble de cœur. Alors Seigneur, accorde-nous l'humilité. Accorde-nous la grâce de toujours nous humilier devant toi. Accorde-nous la grâce de toujours nous faire tout petits autour de nous. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, et retire en nous l'orgueil qui n'est pas de toi. Parce que ta parole dit que tu résistes aux orgueilleux. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous écoutes. Alors accorde-nous cette grâce de l'humilité. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. J'ai confiance en toi. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois. Jésus, j'ai confiance en toi. Oh Jésus, tu es doux et humble de cœur.
me touche toujours, c'est que tout ce que le Seigneur nous demande de faire ou d'être, il l'a été, il l'a fait. Il n'y a pas une seule chose que Dieu nous ait demandé de faire sans l'avoir fait. Dieu nous a demandé d'aimer, il nous a aimé le premier. Dieu nous demande d'être humble, il a été humble le premier. Il s'est humilié et il a subi la plus grande des humiliations à la croix pour nous. Il nous demande d'être doux, d'être douce. Et nous savons combien le Seigneur Jésus est doux. Nous savons comment être dans sa présence. Le fait d'être dans sa présence est tellement doux, est tellement agréable, est tellement bon. Alors demandons-lui cette grâce, et c'est encore lui qui nous donne cette grâce. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, n'est que grâce. Si aujourd'hui j'ai une famille, si aujourd'hui j'ai des enfants, si aujourd'hui j'ai un travail, ce n'est que la grâce de Dieu. Que le Seigneur retire dans nos cœurs tout orgueil, tout sentiment d'ego, de suffisance. Ce n'est pas parce que je prie beaucoup que j'ai telle ou telle grâce. Non, il y a des gens qui prient mais qui n'ont pas certaines grâces. Il y a des gens qui prient plus que nous mais qui n'ont pas les grâces que nous avons. Alors aujourd'hui, il est vraiment question de se rendre compte que tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je suis, ce n'est que la grâce de Dieu. Et c'est dans cette humilité que nous allons encore implorer la grâce de Dieu. Oh tiens, rends mon cœur semblable au tien. Oh Jésus, rends mon cœur semblable au tien. Un cœur doux et humble comme le tien. Jésus, rends mon cœur semblable au tien. Enlève de mon cœur tout orgueil, toute suffisance, Seigneur. Rends mon cœur semblable au tien. Ô Seigneur Jésus, tu es doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien, Seigneur. De ma volonté propre, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être estimé, délivre-moi, Seigneur. Rends mon cœur doux et humble comme le tien. Afin que toute ma vie, je te rende gloire auprès de mes frères et sœurs, dans mon entourage. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint et qui règne à jamais pour les siècles des siècles. Amen. Alors mon frère, ma sœur, je te souhaite une belle journée, un beau samedi. N'oublie pas de faire ton chapelet, ton rosaire. Aujourd'hui, vraiment, bombardons le ciel avec les Ave Maria et recommandons-nous toujours à notre Mère, la Vierge Marie. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.